et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo nose. Et non, pas une vidéo action, une vidéo nose. Donc, j'avais ce petit sac là dans mon coffre. Du coup, je l'ai pris pour aller chez Nose. Je vous avais déjà tourné cette vidéo dans la voiture tout à l'heure, mais c'était une catastrophe. Donc, du coup, je la recommence. Comment ? Pour vous montrer mes petits achats, j'y allais principalement pour trouver une palette. Une palette de la marque Mesoda. Une palette de la collection Red Valentine que Adoration avait réussi à choper chez Nose et qu'elle a posté, me semble-t-il, hier ou avant-hier. Et je ne l'ai absolument pas trouvée. Donc, il y avait effectivement une boîte qui était vide, mais il n'y avait absolument pas de palette. Donc, c'est une palette de 9 fards avec des fards et une pigmentation de dingue. Et elle vaut 2,50€ dans les noses et je ne la trouve absolument pas. Donc, c'est tout. Je vais demander aux copines de regarder à droite et à gauche, voir si elles arrivent à la trouver ou pas. Malgré tout, j'ai quand même trouvé ce blush. Alors, l'emballage était tout cassé, hein, bien évidemment. Mais le blush est intact et il n'y en avait qu'un seul. Donc, c'est le blush Red Valentine, donc de la marque Mesoda. Donc, je pense que c'était une collection spéciale Saint-Valentin. C'est la référence 101 et le nom du fard, enfin du fard à joues, c'est Wifi. Voilà, donc 1,20€. Donc, la boîte est vraiment très, très abîmée, mais de toute façon, je n'en ferai rien. Donc, ce n'est pas bien grave. Alors, par contre, les doigts. Alors, le packaging est assez qualitatif quand même. Voilà, donc ça fait 3,5 grammes. Et la particularité, en fait, de ce fard, c'est qu'il est en forme de cœur. Il est trop, trop beau. Voilà. Donc, il est vraiment très, très joli. C'est un rose vraiment flashy. Oh là, il est trop beau. Voilà, il est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a des petites paillettes en plus dedans. Voilà, voilà. Donc, il est vraiment très, très joli, franchement. Très qualitatif, ce petit fard, là. Il a des petites paillettes. Ouais. Voilà. Donc, il est tout choupinou. Et en fait, il valait 1,20€. Voilà. Donc, avec ça, j'étais vraiment déçue. Quand j'ai vu le carton de la palette, je me suis jetée dessus. Mais le carton était vide. Donc, tant pis. Je verrai avec mes copines YouTube, voir si elles peuvent arriver à me l'avoir. Sinon, j'ai fait quelques petits achats. En tout, j'en ai eu pour 11€. Donc, il n'y avait rien de transcendant, hein, comme d'habitude. Il y avait encore des pinceaux de la marque Parsa. Il y avait encore du maquillage Sin Skin. Mais comme j'en avais déjà pris la dernière fois, je n'en ai pas repris. Donc, j'ai pris un gant de crin comme ceci. Hein, donc, quand on fait des gommages, etc., ça exfolie en même temps pour tout le corps au prix de 1,75€. Voilà, donc moi, c'est surtout pour les cuisses, les jambes, la culotte de cheval, etc., pour essayer de remodeler un petit peu tout ça. Ensuite, j'ai pris des lingettes style des Color Stop. Donc, c'est de la marque Chantecler. Il y en a 8 à l'intérieur et c'est au prix de 90 centimes. Donc, ça, c'est super pratique. J'ai pris des petits sacs poubelles. Donc, il n'y a pas de marque. Si, la marque Alice. Il y en a 20. C'est des 54x60. Et j'ai payé le rouleau 75 centimes. Alors, c'est vrai qu'avant, je les achetais toujours chez Action. Mais ils ne les font plus. C'est ceux avec le, comment, le tour rose. Ils s'adaptaient vraiment bien sur ma petite poubelle. Mais ils ne les font plus. Donc, je me suis rabattue là-dessus. On a pris avec mon mari une sauce comme ceci, c'est la sauce, un peu Doritos, on trempe les chips à l'intérieur, ma fille en raffole, et là elle était au prix de 1,09€ et la date va jusqu'au mois d'octobre, donc ça va. Ensuite, une petite mayonnaise comme ceci de la marque Heinz, 400 ml, elle n'était pas chère du tout, 99 centimes, donc là ça valait le coup aussi. J'ai trouvé des petites boules de bain de la marque DMP. Donc, je suis très contente parce que j'adore cette marque et on la trouve chez Carrefour. Voilà, DMP. Donc, il y avait un petit carton avec plein de boules de bain. Donc, au prix de 80 centimes pièce. Donc, j'en ai pris une vivifiante. Une autre
Méditerranée et une autre vacances. Voilà, donc il y en avait ben, trois. Ces trois sortes-là, donc j'ai pris les trois sortes. Voilà, donc ça sent pas grand-chose comme ça, mais elles sont vraiment très très bien emballées. 80 centimes pièce, donc la marque DMP, c'est une marque qu'on trouve souvent chez Carrefour. Ils ont une petite gondole avec pas mal de produits DMP et j'aime quand même bien cette marque. Ensuite, j'ai trouvé un fond de teint de la marque Revlon 24 heures Color Stay. Donc je l'avais déjà pris celui-ci, SPF 15, et c'est la teinte ivoire, Ivory 110, donc au prix de 1,99€. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc du coup, je l'ai pris pour ce prix-là. J'en ai des autres, mais du coup, je vais avoir celui-ci, le Sin Skin, pour cet hiver. Et j'en ai encore un autre à finir. J'ai celui-ci, le Dream Satin. Voilà. Donc j'essaye de pas trop en avoir. Et j'ai également celui de chez Action que j'adore aussi. Et j'avais fait le stock, donc il me reste encore deux, voire trois tubes, je crois. Donc voilà. Et j'ai trouvé deux comment? Extrême mat de la marque toujours Mezzoda Milano. Alors là, c'était pas cher du tout. 50 centimes. Donc il y avait deux teintes. Donc j'ai pris les deux teintes. La teinte Tiramisu 122. Et la teinte Choco Bites. Voilà. Je le prononce comme ça fait moins. Moins. Voilà, donc c'est des mats extrêmes en 7 millilitres. Donc il y a celui-ci. Donc ça, c'est le tiramisu. Il est vraiment très joli celui-ci. Alors l'autre, par contre, est un peu plus foncé. Je pense que la teinte ne va pas me convenir. Enfin, je ne sais pas. Waouh! Alors ça sent, il y a une petite odeur, mais ça sent rien de. Voilà, il est comme ceci. Donc c'est vraiment un. Donc il va se matifier. Hein. C'est vraiment un nude dans toute sa splendeur. Voilà. Donc celui-ci, c'est le tiramisu à 50 centimes. Et l'autre, je pense que je l'offrirai, le Choco Bites. Donc c'est le numéro 123. Il m'a l'air un peu plus foncé. Oui, effectivement, il est un peu plus foncé. Et il y en avait également un noir, mais du coup, moi, je n'ai pas pris parce que le noir, je ne porte pas du tout. Et du coup, ah oui, il est un petit peu plus foncé. Ah, mais il est joli quand même. Très, très joli. Alors, moi, je suis plus dans les couleurs framboise, bois de rose, etc. Mais voilà, il est donc là, c'est le tiramisu. Et là, le Chocobite. Oui, il est un petit peu plus foncé, effectivement. Voilà. Alors, pour 50 centimes, c'est vrai que ça ne valait pas le coup de ce. Privé, je pense que je vais offrir celui-là à une de mes copines YouTube. Voilà. Cette petite vidéo est donc terminée. Je vous la poste assez rapidement. Là, nous sommes samedi et si vous voulez, du coup, il y a beaucoup d'arrivages en ce moment au niveau make-up, pinceaux, etc. Ça vaut vraiment le coup. Donc, n'hésitez pas, foncez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à choper des choses, etc. Si vous avez trouvé cette fameuse palette de 9 fards de la marque Red Valentine Mezzoda. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.